Bonjour, bonjour chers amis, vous me connaissez très bien, moi c'est Jeanne la pâtissière. Si vous voulez revoir mes recettes, allez sur la page Les délices de Jeanne d'Arc. Bon, aujourd'hui, on va réaliser du poulet au four, poulet mariné au four. Ça a un goût d'enfer mes chers amis, pour cela j'ai besoin de 2 kg de poulet. Les légumes, poivrons rouges, poivrons jaunes. En tout cas, comme vous voyez, la tomate, oignon, le persil, la moutarde, la mayonnaise aussi, du yaourt nature sans sucre, le cube magique du pays, comme vous voyez là, les pommes de terre, l'huile aussi, le sel, tout. Je n'ai pas tout mis sur place, la suite tout à l'heure. Voici mon poulet que j'ai déjà épicé avec du thym, poivre blanc, piment en poudre. Je n'ai quand même pas le nom de l'autre ici. Comme vous voyez là, sur gauche c'est l'épicier. Si tu vois ça, tu demandes assurément pour poulet. En tout cas, ça donne un bon goût au poulet. Bon, je passe mon poulet au feu juste pour 15 minutes. Le poulet ne doit pas cuire entièrement parce qu'après on doit le mettre au four. Donc je le cuis juste pour 15 minutes et je retire du feu. Voici mes pommes que j'ai préalablement pelées et j'ai découpé une pomme en trois. Ça dépend de la grosseur que vous voulez obtenir. Mes pommes, je vais les cuire à la vapeur avec l'eau que j'ai utilisée pour mon poulet. Donc quand mon poulet sera prêt, je retire du feu. L'eau, je ne le verse pas. Je ne la verse pas. Français, pardon. Je sais que vous êtes là pour corriger les fautes, mais moi, les soukoula de Mbengretin. J'utilise dans l'eau du poulet là bon, pour faire cuire mes pommes à la vapeur. La suite tout à l'heure, s'il vous plaît. Voici mes légumes que j'ai découpés. Il y a le concombre. Il y a même quoi? Courgette. Poivron rouge. Poivron jaune. Oignon. Poivron vert même. J'ai mis le sel pour que je pour faire décanter l'eau en tout cas. Je vais laisser tout à l'heure. Ça, je ne fais pas cuire. Mais par contre, mes carottes, oui, et le poulet que tu as mis à côté. Voilà. Les carottes que je fais pré-cuire, en tout cas. Je reviens avec vous tout à l'heure. Voici ma plaque sur laquelle je vais disposer mon poulet. J'ai un avec l'huile pour que le poulet ne puisse pas coller. Comme vous voyez là. J'ai bien à l'aide de mon pinceau. Pour ma marinade, j'ai besoin du poivre blanc. Comme vous voyez là. Avec du piment. De la mayonnaise, moutarde, un pot de yaourt nature sans sucre, de l'huile, ail, sel et le cube. Un peu d'eau chouette, comme vous voyez là. La suite tout à l'heure. Ok, j'ai mis la moutarde, mon yaourt nature, sel, poivre, avec du piment. Je mélange bien. Ensuite, une cuillère de mayonnaise. Le mieux, c'est de mélanger avec le foin. Hein. C'est plus pratique parce que la cuillère, là, ça fatigue. Hein. Moyen le plus sûr. En tout cas, tout bon chemin, mais la rompe bien. Voilà. En tout cas, le yaourt nature, c'est pour donner le goût à la marinade. Mais sinon, vous pouvez utiliser la crème fraîche ou bien vous ne mettez pas. Et la mayonnaise, elle est juste, c'est facultatif en tout cas. Tu peux juste faire la marinade avec la moutarde et la crème fraîche. Et tu mets les épices. Voici mon cube magie étoile du pays. Vous connaissez le Cameroun, non? C'est là-bas.
ça donne la saveur au plat massa. En tout cas, vous allez venir manger ça tout à l'heure. Je mets mon huile chouïa, chouïa, chouïa. Je peux mettre juste un bouchon d'huile. Je peux rincer ma boîte de moutarde. Ça va pas aller à la poubelle. Hein. Voici mon poulet. Comme vous voyez là. Je dispose de la plaque. Se tremper le poulet dans la marinade, c'est tout. Il n'y a rien de spécial quoi. Donc, à part mes mains qui sont spéciales parce que c'est pas tout le monde qui sait faire cuire des aliments en tout cas. Je finis de faire mariner mon poulet. J'utilise le reste de sauce pour les légumes. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ah, c'est le gésier, vous connaissez, non? Il fait bien, bien, bien là. Après, il fait la décoration. Dans mes carottes, que je verse là. Mes légumes, bon, je préfère. Voici mon poulet, voici mes pommes que j'ai pré-cuit. Alors je mets mes pommes tout autour. Ça chauffe, hein? Bon, je vais verser, c'est plus rapide pour moi. Voilà. Comme vous voyez là. Ensuite, je verse mes légumes. Allez, souffle, maintenant ma tomate pour la déco. Maman, on va mettre les grandes choses aujourd'hui. Voilà mon fromage. Hein. Je râpe dessus là, de façon façon. Quel est l'intérêt de goûter dans la famille? Parce que j'ai plus fondant quoi. Voilà ça, je remets au four pour 15 minutes. T'es prêt au... Oh? On va manger ça tout à l'heure. Ça, on appelle ça poulet. On dit encore quoi là? Poulet mariné au four. La suite est, je vous donne les photos sur le plan. Au poste. Ho ha! Abrogoto bogoto eh? Celle bobo panda bee. Yeah, me holiday.